Bonsoir, messieurs, dames, bonjour et bonsoir, suivant quelle heure vous vous réveillez. Alors aujourd'hui, j'avais promis de vous parler de Philippos. Philippos, qui est-ce? Philippos, c'est moi. C'est-à-dire, je suis devenu Philippos. J'ai créé l'entreprise Philippos Filmmaker Production pour produire des vidéos, pas seulement pour moi, pour le grand public. Évidemment, parce que mon but, c'est de servir les entreprises. Évidemment, enfin, évidemment. Tant qu'à faire, il faut mieux être utile à la société. Alors, ça ne m'est pas pris comme ça la lubie. Tout à coup, un matin, je ne me suis pas réveillé en me disant, bon, je vais faire ce travail. Non, c'est une longue évolution. Très longue évolution. D'ailleurs, c'est tellement une longue évolution que ça paraît incroyable maintenant quand je regarde mon parcours. Je me dis, mais d'où tu viens, mon pauvre ami? Eh oui, parce que pour devenir metteur en scène, j'ai sacrifié ma vie. Ma vie familiale, ma vie commerciale, en fait, ma vie, mon travail, si vous voulez, j'ai tout sacrifié, tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis une espèce d'électron libre, c'est comme ça que les gens me voient, c'est-à-dire que je fais que ce qui me plaît dans la vie. Est-ce qu'on va être maudit par Dieu parce que l'on fait que ce qui nous plaît? Je sais pas. Les hommes, eux, ils me maudissent. Ah oui, les hommes. Pour les hommes, je suis un rejeton de la société. Pourtant, moi, je voudrais bien m'intégrer, puisque j'ai créé l'entreprise Philippos Filmmaker Production. C'est pour quand même travailler, être utile aux autres, vous voyez. Alors, on verra bien si vraiment les hommes qui me maudissent de ne pas travailler vont enfin me faire travailler. C'est paradoxal. Ah oui. Je sors justement de l'entretien avec le RSA, Revenu de Solidarité Active, parce que quand on vous donne un RSA, c'est ceux qui sont comme moi, qui n'ont pas de travail. C'est pas que je n'ai pas de travail, c'est que je fais un travail, mais je ne trouve pas d'employeur. Bon. Donc, je sors de ce RSA et la dame en partant me dit, mais maintenant que le Covid est terminé, on va reprendre les contrôles, hein, pour savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je leur expliquais de long en large que je suis comédien, metteur en scène, que je cherche du travail, je me suis mis libéral, c'est-à-dire dans l'enseignement culturel, je fais de l'enseignement culturel, je donne aussi des cours dans les écoles, comme professeur de théâtre, comme même professeur du jeu d'échecs. Alors, ça aussi, c'est un scandale, hein. Un type qui donne des cours d'échecs et de théâtre dans les écoles et qui n'est employé nulle part. Ça, c'est... Vous allez m'expliquer où est le buzz, le truc qui ne va pas. Et puis, les entreprises aussi ne m'embauchent pas. Alors, l'ANP, enfin, le Pôle emploi, tout ça, ils m'ont fait un procès. Ils m'ont fait un procès à moi. Ils m'ont dit, monsieur, vous cherchez du travail dans une branche qui n'existe pas. Enfin, qui n'existe pas, où il n'y a pas de travail. C'est comme si elle n'existait pas, puisqu'ils disent qu'il n'y a pas de travail dans cette branche. Or, l'ANP à Marseille, l'ANP des comédiens, ça existe. C'est un grand bâtiment où ils accueillent tous les artistes, comme moi.
Et dans ce bâtiment, où il n'y a que les artistes, ils m'ont jeté dehors comme un artiste incapable. Moi, un artiste incapable. Mais je leur ai dit, messieurs, je fais des vidéos, regardez mes vidéos. Je fais des cours d'art dramatique, mais regardez-moi tout ça. Ils m'ont dit, non, monsieur, vous êtes un fou. Je suis fou, pour eux, je suis fou. Ah, mais ils m'ont envoyé au procès. Au procès d'Arenque à Marseille. Ça existe, renseignez-vous. Le tribunal d'Arenque, ça s'appelle. Alors, vous arrivez, il y a trois jurys. Le grand maître, le Manoutou avec ses deux collaborateurs, et il vous pose des questions. Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi vous ne trouvez pas du travail? Qu'est-ce qui se passe? Etc, etc. Et à la fin du procès, ils m'ont déclaré comme fou. Fou. Ils m'ont envoyé chez les psychiatres, à l'asile des fous de Marseille, quoi. Et moi, je leur ai dit, mais je ne peux pas quitter mon travail, ma vie, je suis utile, moi, dans la vie de tous les jours, vous voyez? Utile, utile, ils m'ont dit. Utile à qui? Mais, enfin, j'y suis pas allé. Non, non, j'y suis pas allé. Je leur ai dit, vous pouvez m'amener, prenez-moi de force, amenez-moi un camion, amenez-moi, mais moi, j'y vais pas à l'asile des fous. Pourquoi de mon plein gré, je vais aller à l'asile des fous? Elle est bien bonne, celle-là. Alors ils m'ont dit, parce que là-bas, ils vont vous ausculter, les psychiatres. Et ils vont voir si vous êtes fou, en vrai ou en faux. Et moi, je sais que c'est des combines. Hein. Ils envoient les gens là-bas pour se débarrasser d'eux. Ah oui, oui, oui. Et ils vous trouvent un prétexte, comme à l'armée, quand ils m'ont trouvé un prétexte, que j'étais fou. Parce qu'à l'armée aussi, ils m'ont dit que j'étais fou. D'ailleurs, ils ne m'ont pas voulu pour ça, parce que j'étais fou. Mais dans le civil, c'est pas l'armée quand même. À l'armée, d'accord, on peut être fou. Mais dans le civil, il n'y a pas de raison qu'on soit fou. Enfin, bref. Je les ai laissés, je ne suis plus allé, je ne suis plus allé les voir. Et maintenant, ils me rappellent. Ils me rappellent, ils disent que le Covid, ça fait 2 ans, maintenant, on va vous contrôler. Alors, je leur ai dit, tout ce que je fais, voilà, je fais des films. Je ne leur ai pas dit que j'avais acheté ça pour jouer de l'accordéon, parce que ça, c'est en plus. Là, il m'aurait dit que j'étais vraiment fou. À 60 ans, démarrer d'une carrière de musicien, il faut être un peu toqué. Ça, je le comprends. Je le comprends aisément. Mais enfin, aidez-moi, aidez-moi. Moi, je ne sais pas quoi faire. Hein. En tout cas, je vous présente Philippos. Qui c'est? C'est moi. Bon, enfin. Aïe, 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 pauvre France. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, moi, j'essaye de réfléchir, mais comment ça se fait que personne veut m'embaucher? Une seule fois. Alors, j'ai trouvé du travail. Et pour de bon, hein, j'ai trouvé du travail. Mais c'était du boulot. Comment je peux dire? Que personne ne peut le faire, parce que c'est tellement pénible, il faut soulever des sacs, des trucs, c'est des boulots de force herculéenne. Au bout d'une semaine, vous êtes rétamé. Moi, j'ai fait un jour, j'étais rétamé, j'ai pas pu me lever pendant 3 jours. Pendant 3 jours, j'ai dormi après ça. Je leur ai dit, mais monsieur, c'est trop pénible ce que vous me demandez. Et c'est comme quand vous regardez un match à la télévision. Les jeunes, là, de 20 ans, les Mbappé, tout ça, ils cavalent, ils cavalent, ils cavalent. Ce sont des jeunes. Mais moi, à 60 ans, je peux rivaliser, moi, avec des jeunes comme ça? C'est impossible. Ils me mettent avec des jeunes de 20 ans qui, eux, ils ont pleine forme, qui cassent la baraque, vous voyez. Ils me disent, allez, vas-y, suis le rythme.
Eh, je le suis pendant une journée, ça va, je le suis pendant une journée. Mais après, il me faut 7 jours, 8 jours pour me rétablir. Et ça, ils ne comprennent pas. Moi, je leur ai dit, trouvez-moi un travail dans ma branche. Moi, je suis comédien, metteur en scène, je fais des films. Bon, finalement, je ne les ai pas écoutés, j'ai créé ma propre entreprise. Voilà, je suis libéral dans l'enseignement culturel et je donne des cours d'enseignement culturel. C'est ce qui fait Filou Dingo. Filou Dingo, c'est le professeur d'art dramatique. Et moi, je suis Philibos. C'est-à-dire que je me transforme, puisque je suis comédien, je peux jouer plusieurs personnages. Quelquefois, je suis Filou Dingo, quelquefois, je suis Philibos. Vous voyez? Je ne suis pas fou quand même. C'est logique tout ce que je dis. Bon. Enfin, ça me coûte des sous quand même, oh, tout ça. Le travail et tout que je fournis là. J'ai quand même investi plus de 4 000, 5 000 euros en matériel, vous voyez. Si j'étais fou, est-ce que j'aurais investi tant d'argent? Ça va être comique finalement. Bon, enfin. Alors, aujourd'hui, je vous parle de Philibos. Philibos, c'est cette énergumène, comme on peut dire. Mais il a une capacité extraordinaire de fabriquer des films d'entreprise pour les entreprises qui veulent présenter leur entreprise, qui veulent se faire connaître, vous voyez, sur le marché, tout ça. Il faut appel à moi. Et après ça, c'est le succès garanti. Je crois qu'ils vont pas venir. Enfin, on rigole, il faut rigoler dans la vie. Pourquoi on rigolerait pas? C'est interdit de rigoler. Moi, je crois que rire, c'est la santé. C'est la santé. Ceux qui veulent rigoler comme moi, eh bien, ils ont raison de rigoler. Et pourquoi je rigolerais pas? J'ai toujours fait ça dans ma vie. J'ai toujours rigolé. Ma première blague, je me rappelle, à l'école, la maîtresse, elle avait demandé qui c'est qui peut. Combien. Vous êtes un vendeur, vous vendez des fleurs sur un marché, et quand on vous demande combien de fleurs vous voulez, vous demandez au client combien de fleurs vous voulez, une douzaine, une vingtaine, une trentaine. Et vous, comment vous. Et vous, alors. Dites-moi combien de fleurs vous voulez. Et moi, j'avais dit 2 kilos. Et je ne m'étais pas rendu compte que les fleurs, ça ne se pesait pas. Bon, enfin, ça fait rire que moi, j'ai compris. Oh, j'avais 8 ans, 10 ans. Je ne savais pas, moi. Et voilà, ma vie c'est ça. J'ai jamais su dans la vie. Mais enfin, quand même, aujourd'hui, je vous présente l'entreprise Philibos. Philibos, c'est une espèce de comédien, metteur en scène, réalisateur, producteur et aussi scénariste, évidemment, et qui va vous trouver des idées pour faire des films et que ce soit un film inoubliable pour le public. Vous voyez? J'ai quand même des qualités. Si je n'avais pas de qualités, je ne pourrais pas me lancer là-dedans. Alors c'est ambitieux, c'est très ambitieux. Mais je pense vraiment que. Ouais, je pense que je suis apte à satisfaire. Voilà, c'est pour ça que
Je me suis mis à la musique. J'espère que la présentation de l'entreprise Philibos Filmmaker Production a été intéressante pour vous. Et si vous voulez travailler avec moi, appelez-moi. Hein? Appelez-moi, on rigole, on rigole. Non, mais on rigole, mais c'est sérieux. Non, c'est sérieux. J'ai quand même 30 ans d'expérience dans la comédie. Plus, j'ai commencé... Après l'université, ouais, parce que là aussi ils m'ont jeté. De partout j'ai été jeté. De partout. C'est pas grave. C'est pour ça que je m'embauche moi-même. Maintenant, comme ça, je suis sûr que personne ne peut me mettre à la porte. C'est moi le patron. Merci. Au revoir. Au revoir.